Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo les amis, simple, voilà, je pense que cette vidéo va pas rester à vie sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Je voulais vous en parler parce que il y a quelque chose qui commence à se barrer en couille face à l'État, comme vous avez peut-être pu comprendre le titre de la miniature. Il s'agit de quelque chose que je vous ai jamais avoué parce que je sais pas, est-ce que vous trouvez ça un peu bizarre, vous allez vous poser des questions après et je pense qu'un jour je vais peut-être les répondre. Voilà. Alors si cette vidéo je la fais, c'est pas pour faire le buzz, vous inquiétez pas, je m'en fous complètement, mais j'ai quand même besoin de vous pour que vous partagez cette vidéo pour que l'État la voie. Pourquoi? Actuellement, il y a eu hier. Non, elle est tout simple. J'appartiens dans un jeune foyer. Un jeune foyer familial. Voilà. J'ai eu des problèmes dans la famille. Je vais pas mentir, je vais pas dire pourquoi, mais voilà. Je pense que cette petite vidéo pourrait être un peu importante. Enfin bref, hier le foyer m'appelle, m'informe que pour vous dire oui, Jordi, tous les jours vous devez passer pour prendre votre température à cause du coronavirus. Voilà. J'ai un peu de mal à le dire, désolé. Et à la fin, il me demande de passer tous les jours. C'est l'État qui a décidé de faire ça. Je pense que l'État est en train de se parler en couille. Et il me demande de passer. Alors vous inquiétez pas, vous allez dire, ouais, mais j'ai envie de toute façon, tu peux te bouffer une amende. Mais actuellement, je l'ai là, cette feuille. Voilà. Cette feuille qu'on peut avoir, je sais même pas où je l'ai. Moi, je l'ai réussi à l'avoir grâce à mon foyer. Pourquoi je dois sortir et tout, j'ai même une autre feuille qui me permet de dire ouais, si la police me contrôle, je dois aller ici, tac, j'ai cette feuille là et voilà, c'est pas une vidéo pour faire le buzz, ça je vous le garantis d'avance et je préfère vous informer que voilà, l'État a décidé que toutes les personnes qui habitent dans un foyer doivent être je dois prendre ma température, voilà, pour savoir si on est malade. Sauf que imaginez-vous si demain je sors et je le chope. De un malade en plus. De deux, votre youtubeur va peut-être mourir. Peut-être pas. En même temps, cette vidéo, je vais essayer de la partager à des gros youtubeurs. Je vais pas leur demander de la reprendre, mais qui comprennent qu'est-ce que je veux dire en vrai. Je pense que je vais peut-être contacter V12, Tony 25, Saxy. Si c'est possible, je vais essayer de contacter les gros youtubeurs et de leur demander de faire passer ce style de message avec leur manière à eux. Ça pourrait peut-être changer. Si, imagine, dans l'avenir, Karim, tu as une autre vidéo et tu veux qu'on fasse passer des messages parce que vous êtes quand même assez bien nombreux, vous pourrez peut-être m'aider à éviter de passer tous les jours. Voilà. Voilà, j'ai pas tellement de choses à dire. Voilà, l'État est en train de se battre en couille. Là, vous inquiétez pas, en plus, c'est que j'ai prévu le PQ parce qu'il y a eu des enfroidements pour du PQ. Hein. Voilà, là, je suis à sec, j'ai pas des riz, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Mais là, tout le monde passait tous les jours dehors et tout, c'est la chance de l'attraper. Et j'ai besoin que vous partagez cette vidéo. Pas juste pour faire le buzz, juste pour que vous compreniez quel potentiel je peux avoir. Quel risque je peux avoir pour cette maladie. Voilà. Bon. Je vais vous demander tout simple. Partagez. Voilà. Partagez en masse. Même si vous likez pas, je vous le demande. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous likez, peut-être les gens la verront. Et voilà. En plus, je vais pas continuer. Voilà, si on continue à se déplacer pour aller au foyer, je serai dans la merde, voilà. Bon allez, les amis, je vous dis bonne chance. Aujourd'hui, déjà, comme ça, vous êtes au courant, j'ai supprimé une vidéo, parce que voilà, ça me plaisait pas. Alors je vais la retravailler et je vais en faire un best-of. Comme ça, au moins, vous verrez si ça vous tente, voilà. Allez, à plus tôt.